N'oubliez pas de bien faire vos exercices pour la semaine prochaine, et s'il te plaît, Tamara, est-ce que tu peux rester ? Oui, bien sûr, monsieur. Merci. Tamara, est-ce que tu veux que je t'attende devant l'école ou pas ? Non, t'inquiète, je vais rentrer à pied, tu peux aller prendre le bus. Sinon, tu vas le rater, et puis après, on va toutes les deux devoir rentrer en bus. Ok, ça marche. À demain. Et bonne chance avec le professeur le plus beau de tout le lycée. Oui, monsieur. Tamara, arrête de faire genre tu fouilles dans ton casier pour éviter mes questions. Réponds-moi. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à quoi ? Bah hier, quand t'es restée après les cours avec le professeur Johnson, tu sais, le professeur le plus sexy de tout le lycée. Ben, vous avez fait quoi ? Parce que j'esquive la question depuis tout à l'heure. C'est vraiment très très étrange. Rien de particulier, enfin, je sais plus. Je m'en rappelle plus, tiens. Tu me prends vraiment pour une idiote ? Non, 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 non. Toi, t'es restée avec ce professeur-là dans la même pièce alors qu'il y avait quasiment plus personne dans le lycée. T'es certainement produit quelque chose. Bon, écoute. C'est un professeur, moi j'ai 17 ans, donc tu sais très bien que c'est pas possible. Ah c'est bon, il a que 4 ans de plus que nous, il a 21 ans, c'est un professeur qui est ultra jeune. Et puis tu sais, mon ex, il avait 22 ans, hein, donc moi ça me choquerait pas. Non mais là c'est pire puisque c'est notre professeur. Et je crois que l'école, elle est pas très pour les relations comme ça. C'est vrai qu'il est très très beau et toutes les filles sont en crush sur lui dans ce lycée. Mais non, non, c'est vraiment pas ce que tu penses. Tamara, tu te fous de moi. Je veux savoir la vérité, je suis ta meilleure amie. Et entre besties, on devrait se raconter toutes ces choses-là. Je vois bien que tu es en train d'esquiver ma question et que tu as un comportement inhabituel. Dis-moi maintenant, sinon je vais te bouder. Je te jure, je te boude jusqu'à la fin de la semaine, si tu m'en rappelles pas. Bon, d'accord, il s'est peut-être passé un petit bisou. Quoi ? J'aurais plutôt pensé à un rapprochement, un truc du genre, un bisou ! Non mais... Chut ! Arrête de gueuler ça, mais ça va pas, tu veux que quelqu'un nous entende ? Non mais là c'est trop ! C'est trop parce que si... Excuse-moi, mais si t'as géré notre professeur, ça veut dire que moi je pourrais plus le pécho. Attends, je viens de te dire qu'il s'est passé quelque chose et toi la seule chose que tu penses c'est à toi et ta relation avec le professeur. Eh ben désolé, il est pris, mais notre relation doit rester secrète. Parce que, bah justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette relation, elle serait pas acceptée par le directeur, je pense. Donc, il va falloir que tu gardes ça pour toi, ok ? Allez, viens, on retourne en cours. Pourquoi Monsieur Johnson a choisi Tamara ? Je suis quand même bien plus jolie qu'elle. Je ne comprends pas très bien. Il a dû se tromper. Salut Tamara! Salut Caro! Attends, je finis de me laver les mains, je te laisse la place. T'inquiète, prends ton temps. Mais félicitations hein, quand même! Hein. Félicitations! Comment ça, félicitations? Pourquoi tu me félicites? Ben, pour avoir pécho notre professeur de mathématiques. T'es une génie! Je sais pas comment t'as fait depuis le temps que les filles elles essayent de le pécho. Et même les filles les plus populaires du lycée ont essayé et elles n'ont pas réussi. Et toi? Ah, désolé, hein, mais de base, t'es personne ici. T'as réussi à le pécho. C'est peut-être ça qui l'attire. Les filles timides, peut-être. Ah, de quoi ? Mais c'est qui t'a raconté ça ? C'est Max qui me l'a dit. Qui lui-même l'a entendu de Cassandra, qui l'a entendu de Jessica, qui l'a entendu dire de la bouche de Mélissandre. Et après, je sais plus. Enfin bref, tout le lycée, il est au courant. Et franchement, il y a plein de garçons maintenant, ils sont en crush sur toi. Vraiment, t'as pris des points, t'es devenu... Maintenant, tu rentres dans la case des filles populaires du lycée. T'es en train de me dire que je suis devenue populaire juste parce que maintenant, les gens sont au courant par rapport à moi et à Monsieur Johnson. Ouais, ouais, t'es devenue la meuf que les mecs veulent avoir maintenant. Ah, va savoir leur logique, je n'en sais rien, mais en tout cas, félicitations. Bon, laisse-moi laver les mains. Merci. Émilie, est-ce que je peux te parler ? Oh Tamara ! Oui bien sûr ! T'écoute ! Non mais... en privé. D'accord, j'ai compris.
À tout à l'heure, Emily. Oh là là, t'aurais pas pu attendre, elle était en train de me raconter les derniers potins du lycée de Brookhaven. J'allais apprendre une pépite en avant-première. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait que tout le lycée est au courant pour moi et Monsieur Johnson? Tu n'étais pas censé révéler mon secret. Et tu l'as fait, alors que tu es ma meilleure amie, je comprends vraiment pas. Je te jure que c'est pas moi, je sais pas, quelqu'un a dû entendre notre conversation, ou bien quelqu'un t'a vu avec Monsieur Johnson. J'en sais rien, moi. C'est impossible qu'on m'ait vu avec Monsieur Johnson. On est clairement très très discret. Je pense que c'est plutôt la première option. C'est sûrement toi qui as parlé trop fort et quelqu'un a dû l'entendre. Et maintenant, il y a cette rumeur qui circule dans tout le lycée. Ouais, mais toi tu sais que c'est pas une rumeur parce que c'est la vérité. Et puis bon, j'ai entendu dire que t'es devenu ultra populaire. À continuer comme ça, bientôt tu traînerais. Tu vas arrêter de traîner avec moi tellement t'es populaire. Tu as l'air gentille, là, un peu peur d'èche et blonde, assise toujours à la même table à la cantine, c'est ça? N'importe quoi, tu sais très bien que tu es et tu resteras ma meilleure amie. Mais cette rumeur-là, ça ne me plaît pas trop. On va avoir des problèmes, moi et Monsieur Johnson. Y'a que les élèves qui sont au courant, les professeurs ne le savent pas, et puis tu sais comment que c'est. Donc les gens pensent que c'est une rumeur, et bien... Je vois pas où ça créerait des problèmes. Tamara, dans mon bureau, tout de suite! Les professeurs sont pas au courant, tu disais? Tu vas avoir des problèmes. Et ça, c'est parce que t'es pas discrète. Ah ben ça, ma pauvre chérie, fallait y penser avant. Mademoiselle Tamara, vous savez pourquoi je vous ai convoqué dans mon bureau? Non, je ne sais pas. Sachez que Monsieur Johnson a été viré du lycée. Il ne vous importunera plus. Quoi? Vous l'avez licencié? Mais pour quelle raison? Tamara, vous savez que je ne suis pas bête tout de même. Et tout le monde est au courant ici au lycée que vous avez eu une liaison avec Monsieur Johnson. Et je parle bien au passé parce que maintenant c'est terminé. Monsieur Johnson n'exerce plus ici. Et il n'aura accès à aucun établissement scolaire à Brookhaven. Il va certainement devoir partir d'ici, notamment dû à sa mauvaise réputation. Et donc, votre liaison, c'est terminé. Et je suis désolé que ça en est arrivé là. Je sais que vous avez peut-être des sentiments pour lui, mais bon. Ça, c'est parce qu'il a une emprise psychologique sur vous, certainement. Non mais vous savez, moi et Monsieur Johnson, c'est faux, on ne sort pas ensemble. Tamara, je sais que vous le protégez, parce que certainement vous êtes amoureuse de lui. Mais sachez que cette relation n'est pas normale, et n'est pas non plus sans conséquences, que ce soit pour lui ou pour vous. Heureusement, c'est vous la victime dans cette histoire. Non mais je vous assure, je suis pas victime, je suis jamais sortie avec. Comment expliquez-vous tous ces bruits de couloir, alors? J'admets, je sais pas d'où ça sort, mais... Vous savez, c'est pas du tout ce que vous pensez, hein, vraiment pas. Hein. Dans tous les cas, il est suspendu, ça c'est sûr, et jusque-là, une enquête est ouverte. Maintenant, vous pouvez y aller. Mais sachez que si vous avez besoin, nous sommes là, également... La psychologue est dans son bureau si vous souhaitez parler à quelqu'un. Je sais que c'est un peu difficile au début, que vous êtes encore sous son emprise. Mais lorsque vous vous sentirez de vouloir parler, n'hésitez pas. Bon, d'accord. Merci. Ah ben, t'es là. T'as tout entendu, je suppose, vu comment le directeur parle ultra fort. Ouais, et je suis désolée pour toi. C'est vrai que c'est toi la victime dans l'histoire. T'es sous son emprise. Je suis sûre qu'il ne t'aimait vraiment pas. Juste qu'il est resté avec toi parce qu'il devait certainement se servir de toi, c'est tout. Ça devait être une énième conquête. Ah non, toi non plus, tu vas pas t'y mettre, hein. Et c'est bon, hein, nous, on avait une vraie relation. Et vous avez tout détruit. Maintenant, à cause de vous, je pourrais plus le voir. Heureusement, les cours sont terminés, je rentre chez moi. Et toute seule et à pied, je veux plus te voir. Oh, Tamara, c'est bon. De toute façon, t'es devenue populaire entre-temps. C'est cool, non? Tamara! Oh là là, c'est bon, elle est susceptible aussi, hein.
Oh mais c'est quoi ce fou du roulant là? Il s'est pas roulé, il roule sur le trottoir. Monsieur Johnson, c'est vous? Oui Tamara, c'est bien moi. Et je veux des explications, c'est quoi ces histoires? Oui, désolé, j'ai tout nié en bloc, mais le directeur il est convaincu qu'on a eu une relation. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, il y a une enquête. Et vu qu'ils vont absolument rien trouver, vous allez pouvoir réintégrer l'école. Non Tamara, tu as détruit ma réputation. Même si ils ne trouvent aucune preuve, tout le monde va être intimement convaincu que ça s'est réellement passé. Et suite à cela, ben je vais être, on va mal me parler, on va me juger, on va me critiquer. J'ai perdu ma réputation par ta faute. Et je sais très bien que cette rumeur n'est pas là pour rien. Mais vous voulez que je fasse quoi, Monsieur Johnson? C'est pas de ma faute si les gens ils lancent des rumeurs comme ça. J'ai parlé avec Emily et elle m'a dit que c'est bien toi qui avais confirmé que nous avions une relation alors que tu sais très bien que c'est faux parce qu'il s'est jamais rien passé. T'es resté après les classes comme je t'ai demandé parce que je voulais t'aider par rapport à ton dernier contrôle où tu avais été vraiment nul et j'ai fait ça pour ton bien. Et maintenant, regarde dans quelle situation je me retrouve. Tu vois, cette petite voiture avec laquelle je roule, c'est la voiture de ma femme. Parce que tu vois, être professeur, en plus à mon âge, eh ben, on gagne pas grand chose. Et en plus de ça, si c'est pour se manger des filles arrogantes qui s'inventent des relations avec leurs professeurs, en plus de ça, tu veux détruire ma vie de famille, ma vie de couple, je viens de devenir papa. Ma femme, elle vient d'accoucher il y a pas longtemps. On n'a pas beaucoup les moyens. J'ai peut-être perdu mon travail, ma réputation et peut-être ma femme. Mais ce que t'as fait, c'est horrible. D'accord, Monsieur Johnson, c'est vrai, c'est moi qui ai dit à Emily. Mais bon, en fait, tout le monde le pensait déjà. J'ai juste eu à confirmer, c'est tout. J'ai rien fait de plus et je pensais pas que ça allait être comme ça. J'ai dit oui à mon amie juste parce qu'en fait, je voulais qu'elle croie à mon histoire et que... Parce que d'habitude, ma meilleure amie et moi, c'est plutôt elle qui enchaîne les conquêtes, c'est plutôt elle la fille populaire de notre amitié. Moi, je suis juste celle qui écoute, celle qui est drôle, qui rigolote, et ça s'arrête là. Personne ne s'intéresse à moi, et depuis que cette rumeur a explosé à l'école, il y a tout le monde qui s'intéresse à moi, les filles, les garçons, tout le monde. Et ça m'arrangeait bien, mais vous savez, j'ai dit au directeur que c'était pas vrai. C'est pas suffisant, Tamara. Il faut que tu ailles, et en plus que tu dises que tu as menti. Il faut que tu ailles voir le directeur, et également ton ami, pour désamorcer cette rumeur. Mais Monsieur Johnson, si je fais ça, c'est ma réputation à moi qui va être détruite. On va me traiter de mytho, et puis on va marceler ensuite, c'est pas ce que vous voulez, non? C'est vraiment pas ce que je veux, Tamara. Mais toi, tu peux changer d'école comme tu veux, et tout le monde t'oubliera. Moi, par contre, je suis fiché. Peu importe où j'irai dans n'importe quelle autre école, eh bien, ma réputation va me suivre. Donc s'il te plaît, fais ça. Pense au moins à moi et à ma famille. Parce que, comme je t'ai dit, c'est pas que ma carrière que tu as détruit. D'accord, Monsieur Johnson. Je vais faire ça. Je suis vraiment désolée. Je pensais pas que ça irait aussi loin. C'était vraiment pas le but. D'accord, je te fais confiance. Oh, je vais passer pour une grosse mytho maintenant. Bon, retour à l'école. Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de pouvoir reprendre mes fonctions. J'espère que ces derniers cours que vous avez ratés en mathématiques ne vous a pas donné trop de lacunes. On va se remettre au travail. Monsieur Johnson, au nom de toute la classe, nous voudrions nous excuser d'avoir cru en la parole de Tamara. Franchement, on est vraiment tous désolés. Merci infiniment, mais pensez à l'avenir que propager de tels bruits de couloir peut nuire aux personnes impliquées. Monsieur Johnson, mais Tamara était une mauvaise personne. Je n'irai pas jusque-là, elle avait juste besoin d'attention, mais bon, c'est tout. Allez, on se remet au travail.